Bienvenue sur ma première vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline, alias Chouleloute sur Ravelry et sur Instagram. Je suis ravie de faire ma première vidéo consacrée à ma passion depuis un bon bout de temps. Et depuis que j'ai vu des podcasts depuis le confinement, ça m'a donné envie de vous montrer mes différents projets. Je suis ravie de le faire, c'est ma toute première fois, j'avoue que je suis un peu stressée, ce qui est un petit peu normal je pense. Donc voilà, donc là je vais vous présenter mes trois projets terminés, un en cours et mes prochains, ou un seul je crois, je vais faire un tout doucement, et un prochain projet à mettre sur mes aiguilles. Voilà, donc bon bah prenez une boisson, votre tricot, et c'est parti. Avant toute chose, j'aurais voulu me présenter. Donc je suis Caroline, comme je vous ai dit, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je tricote depuis 2013, quand je suis tombée enceinte de mon deuxième, donc mon fils. Et j'étais arrêtée un peu plus tôt que prévu, j'ai eu des petits soucis, et j'ai une amie qui m'a dit « Oui, ce serait bien que tu fasses quelque chose de tes mains en attendant l'arrivée de bébé, donc ce serait bien que tu fasses du tricot. » Donc, Caro, écoute. Et donc, je me suis lancée donc, à base, donc fil d'art. Donc, je suis allée dans une boutique fil d'art. Il m'a conseillé de prendre une paire d'aiguilles, un bouquin pour les débutants. Donc, j'ai commencé par faire une petite brassière pour mon fils, donc des carrés à assembler. J'ai appris le jersey rapidement. Et aussi le montage, invisible. L'assemblage invisible, voilà. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai continué sur ma lancée pour faire des vêtements pour mes enfants, pour mes deux petits nids actuels, donc c'était en 2013. Donc voilà, donc mon aîné avait 2 ans et mon petit avait quelques mois. Donc j'ai fait pas mal de combinaisons, de petits tops. Donc j'ai appris que je tricote assez, voire très serré, donc j'ai appris à me détendre, mais à tricoter quand même régulier. Après, j'ai découvert la marque We Are Knitters, donc comme vous pouvez voir, ça c'est We Are Knitters, c'est le Pin Beauty. J'ai beaucoup apprécié de tricoter, c'est leur laine. Enfin plus le coton que leur laine, donc la baby wool, la coupe de coton Pima aussi. Leur laine, je ne suis pas très fan, voilà, donc ça c'est mon avis. Et après, j'ai découvert en 2019 le monde merveilleux de Ravelry. J'ai commencé à faire un test pour Caroline, donc Maurice 7C. Un test pour le pull Popeye. Et donc j'ai pu découvrir ce que c'est le design indépendant, le designer indépendant, comment faire un test, suivre pas à pas un patron d'un designer indépendant. Et donc j'ai pu la première fois aussi tricoter en rond et en raglan aussi, et utiliser aussi pour la première fois une laine d'une teinturier indépendante. Donc une louve dans les bois, donc une grille. Et donc j'ai découvert le monde merveilleux, quoi. Donc c'est un monde vraiment à part, et j'ai beaucoup apprécié ce moment où on peut parler directement avec la designer. Et aussi bah, d'autres testeuses et qui sont des tricopines maintenant. Donc voilà, j'ai fait le tour, donc ça fait 7 ans que je tricote, et voilà, j'adore tricoter, c'est
C'est mon dada, c'est ma petite drogue, voire ma grosse drogue, hein, parce que je tricote assez longtemps. J'ai la chance d'avoir un mari qui peut s'occuper de mes enfants, des enfants, de nos enfants. C'est les siens, oui. Et donc du coup, avoir mon temps, avoir du temps pour tricoter. J'ai au moins 4 heures par jour, voire plus, parce que je me couche tard. Donc voilà. Mais oui, surtout week-end, 4 à 5 heures par jour, et puis bon, bah, ouais, 3 heures la semaine, surtout le soir. Voilà. On passe au projet terminé. Donc le premier projet terminé, donc je l'ai tricoté, c'est un projet que j'ai terminé il y a un an. Donc c'est le Mystaria de Maurice LC. Alors c'est un débardeur comme vous pouvez voir. Alors tricoté avec le fil coton de chez Fildar, fil coton 4. J'ai utilisé cette pelote, je crois. Donc j'ai fait la taille M. Voilà, donc c'est une construction en button-up. Donc on commence par des mailles torses et après on tricote en rond, avec une dentelle. Donc voilà. On monte. Et après, on sépare le dos et le devant. Alors moi, j'ai fait une petite modification sur le devant. Au lieu de faire un col bénitier, voilà. J'ai réalisé un col en V. Parce que j'ai des épaules assez larges, donc je trouve que le col V me va mieux. J'ai séparé à peu près en même temps que... Oui, je crois, oui. En même temps que la séparation du devant et du dos. Donc j'ai séparé les deux côtés et j'ai fait des mailles ensemble et des GGT sur les deux côtés. Enfin, un côté de l'autre, hop, je l'ai fait tous les deux rangs et puis à la fin tous les quatre rangs jusqu'à ce que j'ai le nombre de mailles suffisant pour terminer. Et après, il y aurait une finition en I-corb tout autour. Et aussi, créer les bretelles en même temps en I-corb. Voilà. Alors, c'est un projet que j'ai adoré tricoter. J'ai beaucoup apprécié. Sauf que je suis triste d'avoir utilisé cette laine, ce coton, parce qu'il est hyper lourd et il est hyper dur, enfin il n'y a pas de tension, enfin c'est vraiment. Et il est pas souple, en fait, voilà. Je pense que si je le referais, comme a préconisé. Maurice LC, Caroline, c'est du coton yak. Donc moi ce qui me faisait peur c'est que le yak, pour moi ça devient chaud. Mais en fait non, c'est une fibre qui s'adapte à la température de votre corps ou de dehors. Voilà, je crois que c'est ça. Je suis pas sûre mais voilà. Donc voilà, je trouve assez léger. J'ai eu la chance de le tricoter aussi pour faire un pull. Et il est hyper léger et hyper souple. Donc, si je peux vous conseiller, ce serait de le faire en coton yak, comme le préconise Maurice LC. Voilà pour mon projet terminé.
Alors, le deuxième projet terminé, j'ai eu la chance de tester pendant la fin du confinement le châle Anani d'Océane LM. Tac. Hop. Donc, je l'ai tricoté avec les laines de chez Lena Mouret. Donc c'est de l'aphrodite, donc 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Et donc du coup, j'ai eu la chance de le faire, je suis contente de l'avoir fait, je l'ai adoré, j'ai adoré le tricoter, même si j'avoue que c'était un petit peu long. Donc ce qui est normal, parce que c'est on tricote en 2,5, voilà. Donc on commence normalement comme un châle, un châle en triangle, donc le garnotal, voilà. Et après on commence à faire les augmentations sur les côtés du tarsal et sur le côté du tarsal et sur les bords du châle. Et après il y a différents dessins, donc la torsade, maille estonienne, des bordures ajourées et des mailles glissées. Voilà, et la particularité qu'on peut faire, c'est de mettre à la fin des mailles glissées une perle, et ce qui est très très joli. Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. Pour la personne qui va la recevoir, donc ma belle-maman, j'avais peur qu'elle ait les cheveux qui s'accrochent dessus. Donc voilà, on le finit, on continue jusqu'à une bonne 200-280 rang. Et donc après on rabat le tout avec une bordure mousse. Donc je vous laisserai voir ça sur mon Ravelry et sur mon Ravelry de ce modèle, qui est vraiment très joli, tout en poésie, tout en douceur. Franchement, la laine elle est top. Bon, je pense que vous la connaissez. Voilà. Alors il y a aussi une finition qu'on peut faire. Là c'est que j'hésite là, parce que j'ai encore des fils qui sont pas rentrés, c'est juste parce que j'hésite à faire ou pas. Il y a des pompons, enfin des glands à faire sur les trois parties de ce châle. Donc là, au milieu, là, hop, et là, sur les deux bords. Là j'hésite, je vais l'offrir à Noël, donc j'ai encore le temps pour réfléchir. Je pense le faire, que ça fasse un effet vraiment très joli en ce modèle de châle. Je trouve que ça finit bien. Océane a une très très belle idée. Voilà. Donc je suis plus que ravie, j'étais fière de l'avoir réalisé. En plus, Océane m'a gentiment offert les écheveaux et je la remercierai jamais assez. Enfin, je suis très très reconnaissante. Et voilà, j'ai découvert cette base-là et je comprends les autres testeuses, les autres designers, les autres podcasteuses disent qu'elle est vraiment top. Voilà. Donc voilà, je suis très contente. Voilà pour le deuxième projet terminé. Le dernier projet terminé, c'est un test que je suis fière d'avoir réalisé. C'est mon premier test pour Marie-Amélie Design. Je la suis depuis peu sur Patreon et je découvre un peu plus son monde et j'apprécie son univers, son design, tout ça. C'est la première fois que je tricote un de ses patrons, sachant que j'en ai une bonne dizaine sur mon
sur ma librairie, sur ma bibliothèque de Ravelry. Donc voilà, j'avoue que bon bah il est tombé. Mais là je suis très contente de l'avoir fait. Donc ça c'est le pull le Damasque Kid qui sortira dans pas longtemps, ou peut-être au moment où je sortirai cette vidéo, il sera sorti, je crois. Donc voilà, le Damasque Kid pour ma petite dernière qui a 3 ans. Donc je l'ai tricoté en 4 ans. Franchement, bon voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté avec la laine de chez Fonti, la Cocache. Donc 92% de coton et 8% de cachemire. La coloris c'est sauge, je sais plus le numéro. Je l'ai noté le 0011, donc enfin, c'est un vert haut sauge. Ouais. Alors donc on commence par un demi de haut en faisant un montage normal, des rangs raccourcis, hop, on fait un autre demi de haut pour un raccourci, après on raccroche tout ça, on fait le dos. On met en attente, on fait demi devant, on fait un autre demi devant. Donc même chose, on raccourcit, après on attache, après même les demi devant jusqu'à, on attache les deux demi devant pardon, et on accroche les deux parties. Donc le devant et le dos, et on tricote en droit. Donc avec une belle dentelle. C'est une répétition de dentelle, de jersey et de point mousse. Vraiment, vraiment simple, et vraiment rapide. Enfin bon, c'était rapide parce que ma fille a 3 ans, donc je le fais en 4 ans, mais c'était assez rapide. Franchement, bon bah, il est vraiment mignon. Il est adorable, comme vous avez pu voir les photos de ma fille. Je pense que, enfin, j'ai ma grande qui m'en a réclamé un. Donc voilà, je pense le refaire en 12 ans. Donc ça va être un petit peu plus long. Donc, mais bon, je suis contente de le refaire parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Voilà. Donc le Damasque qui sortira fin juillet. Je ne sais pas quelle date précisément. Mais voilà, donc je suis vraiment très très contente de ce test. Voilà, je suis très ravie. Voilà. Maintenant, on va passer au projet en cours. Donc mon projet en cours, c'est dans le cadre du cal estival organisé par Lana et Tricot. Donc avec la collaboration de Lucie l'Atelier Design et de Mademoiselle Pritrodwin. Donc voilà, je vous présente le pull Jane de Mademoiselle Pritrodwin. Bon, je l'ai un petit peu commencé, mais bon voilà, j'ai fait juste les deux demi devant. Donc on commence les deux demi devant en faisant un montage provisoire au crochet. Après on continue avec notre laine en faisant des rangs raccourcis pour les épaules. Après on tricote droit et après on fait des augmentations sur les décolletés. On fait la même chose sur l'autre côté. Voilà, et puis après on rassemble les deux bouts en montant quelques mailles pour faire le vrai décolleté, et après on tricote droit pendant quelques centimètres jusqu'en dessous des bras, et après je pense qu'il faut continuer. Je pense qu'on va faire le doigt. Voilà, donc vraiment vraiment simple, pas de prise de tête et agréable. Donc là je la tricote avec la Bio Balance de BC Yarn,
Et c'est un coloris bah, turquoise, je crois que c'est le 0. Je ne vais pas dire du bêtis, je crois que c'est 0,15. Je vais le répéter. Je le vois, j'ai vu l'étiquette. Et non, c'est le 0,12. Bon, voilà, c'est turquoise. Voilà. Donc vraiment, vraiment pas de prise de tête. C'est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup. C'est vraiment, vraiment tranquille. Ouais, donc, ouais. Donc là, c'était rapide. Parce que bon, j'en ai qu'un pour le moment. Donc là, maintenant, on va passer au prochain projet, pardon, qui est opposé sur les aiguilles. Donc mon prochain projet, c'est le pull Balmain de Marcel Clos. C'est un pull que j'ai dans ma bibliothèque depuis 2018. Je le trouve super joli. C'est un pull boxy en colure V. Ça, bah, quand il y a un colure V, c'est pour moi, automatiquement. Voilà, c'est direct. Gros coup de cœur avec cette petite dentelle sur le côté devant et derrière, et je trouve ça très 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 beau. Voilà, donc je l'ai commencé avec une laine, mais je l'ai juste détricoté parce que ça n'allait pas. Je pensais que j'avais le bon échantillon, mais il n'est pas du tout. Donc, bon. Là, j'ai pris la laine préconisée, donc la Ulysse de chez Dererum Natura. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi je le vois bien. c'est du 100% laine. Donc c'est vraiment micardé, c'est vraiment de la bonne rustique. Une laine rustique, mais je la trouve très très belle. En plus, un côté chiné, là, un coloris sauge. Et vraiment, ce côté chiné, il me plaît beaucoup. Donc, j'ai hâte de monter ce petit projet, petit pull sympathique. Voilà. Donc, voici la fin de mon podcast. Ouais, c'est dommage. Je ne sais pas. Quoi dire de plus, si ce n'est que merci d'avoir resté jusqu'au bout. Et vous pouvez me retrouver bah, sur ma chaîne YouTube, je l'ai appelée Chelou Tricote. J'espère que ça vous a plu, donc un pouce en l'air, un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos que je ferai avec plaisir. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Mouah. Et merci encore d'avoir resté jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bel été, passez de bonnes vacances, reposez-vous, ressourcez-vous, il y a bien besoin. Là, voilà. Et puis bah à bientôt. Bisous, salut.